Welcome to SAB News people. Like, share. I'm on the street, baby. Okay, right. Welcome back guys, SB News, une autre grosse euh, grosse épisode qui s'en vient. On est finis les trois bagues. <laughs> <laughs> Je voulais aussi que mes soit là aujourd'hui. Longue vacances, longue vacances. Exact, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé, beaucoup de prédictions, il faut qu'on parle. Et puis beaucoup de recap des games, surtout la NFL. Plus, euh, on, on s'excuse d'avance parce qu'on écoute la game des Cowboys et Niners en même temps. Yes. Donc so, ça se peut qu'on ait des, euh, des, des réactions. réactions. Des réactions, et <laughs> des, des moments de silence en train de regarder l'écran. OK, on va commencer en premier avec la NFL. Uh, recap des games uh, divisional round, les trois games qu'on a qu'on a vu à date. Jaguar et, chi et Chiefs. Moi je veux juste dire que j'étais quand même saisi que les Jaguars ont donné une game au Chiefs comme ça. Tu t'es pas saisi? Non, je t'ai pas oh! saisi. Oh pick, let's go. Go pick, ok nice, nice. Non, je t'ai pas saisi. Euh, je t'ai pas saisi que les Jaguars ont checké une game parce que Doug Peterson c'était le protégé de Andy Reid. Okay. Euh, S'il y a un coach qui savait Comment jouer contre Andy 8, c'est Doc Peterson. Yep. Euh, c'est Doc Peterson qui a pris la relève à Philadelphie quand Andy Reid est parti, puis a gagné un Super Bowl avec Nick Foles. Mm -hmm. C'est un coach que tu sais qu'il est capable de faire un game plan pour jouer avec, euh, avec sa team. Mm -hmm. Puis tu sais que c'est grâce à lui que Trevor Lawrence a peut-être à step up cette saison parce que tout le monde était prêt à dire que c'était un boss. Ouais. So, moi, je ne t'ai pas surpris, mais c'est vrai que ça les a aidés. que... Patrick Mahomes s'est blessé parce que mmh. la façon dont la game a commencé Patrick Mahomes il fait sat sidearm jump pass euh, courait sur les gars mmh. comme ils, a, ils allaient prendre le big puis la blessure a ralenti euh, Patrick Mahomes le, le ND8 est devenu plus conservatif donc mmh. so, je pense vraiment c'est la blessure qui a fait que la game est restée en dehors de double digits yes. mais je m'attendais que quand même la game soit respectable moi pour real je vais faire attention aux Jaguars l'année la prochaine. Parce que l'année prochaine, for real, ça va être une bonne team. Ils vont être dangereux. Mais des euh, fell short, man. Ils se sont payés contre Pat Mahomes Comme ah. je t'ai dit, c'est le seul dernier killer QB dans la NFL. Il l'a prouvé. On, on a essayé de le blesser. Je pas pas ne veux pas dire que c'est intentionnel. Bon, en tout cas, maintenant qu'il est tombé dessus, moi, j'ai mal un Il fait, Oops. <laughs> Oops. Mais le gars, comeback, il a joué blessé il a step up quand il fallait qu'il step up il a fait ses jump pass avec son mauvais pied so pat Mahomes a, a dead la game puis euh, les jaguars l'année prochaine euh, moi je, moi je, moi je dis qu'ils font les playoffs encore moi je dis les jaguars ils ont arrive déjà comme ils avaient leur qb euh, ils avaient un vieux ils une vieille organisation à cause du coach l'année passée ils avaient une vieille culture là ils ont un coach qui a déjà gagné le super bowl qui les a fait believe ce euh, round-là, c'est déjà, c'est genre, ils avaient free money, ils avaient déjà gagné, personne ne posait à aller faire les playoffs. Plus battre les Chargers. Je les voyais avoir ouais. une meilleure saison, ils ont fait les playoffs, ouais. euh, ils ont batt ils ont gagné leur premier game en playoffs, avec un comeback de comme 30 points. Oh, euh, maintenant, là, c'est confidence, là, comme, pour moi, le Trevor Lawrence, là, il doit juste acte comme si, comme, comme quand on l'a draft, comme best QB ever to be draft since... Uh, Andrew Locke à the c'est ce qu'il disait. Donc <laughs> so, là, il doit juste jouer comme ça, comme ce que les gens expectent de lui. Et mm. maintenant, bah, les Jaguars vont juste rajouter comme des, des bons pistes en défense et en offense, puis ils vont juste améliorer. C'est ça que j'allais dire, je trouve que présentement, il manque des wide. Christian Cook a vraiment step up, je l'avoue, mais il manque quand même des wide pour aider ouais. à, à, à avoir des, des mains sûres. Parce que Patrick Mahomes, moi ce qu'il l'a sauvé, Kercy. 14 catchs Il a sauvé Chad aussi. Ah, non Mais non, mais Chadeni, il a fait la drive. Il a, la passe, ce n'est pas comme si, euh, si Kelsey a, a dû faire un fou catch pour bail out le QB. La non, oui, je comprends, mais c'est sûr que le gars se démarre tout le temps. Il est toujours ouvert. Ouais, il sait comment jouer. Il joue bien. Clairement les gens qu'on veut pas, aussi tu, tu regardes mais... la game et tu es comme... Est-ce qu'on ne vous a pas dit de garder qu'il Il est toujours wide open. Il est toujours wide open. C'est puis... le seul gars qu'on vous a dit checker. Mais, mais C'est le seul wide mais pour moi Charlie justement shout out on a donné le ballon il a dû comme faire un drive de 98 verges mm -hmm. il a drive le terrain sur running, running back Pacheco a bien couru mm -hmm. euh, yo, comme c'est nice d'avoir un backup que tu peux mettre puis drive le terrain te un touchdown le temps que ton superstar QB se fait TP et tout là on, on va en parler un petit peu plus tard mais toutes les teams qui ont win toutes les teams qui avaient un gros running game ou que, ils ont eu un gros ils avaient un bon ring... support de running game ouais, ouais je coup de... De... En tout cas, j'ai goûté d'aller tout de suite à la game non, pour parler de ça, mais on va non, en non, 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 non. Giants vs. Eagles. Oh, Lord. Il faut qu'il fasse <laughs> le, le, le bird call. Brr, brr. <laughs> on m'a my Philly guys. Max, I got you. I got you. yo, Damn. Guys, J'ai plus d'arguments. Les Eagles est... non, sont la meilleure équipe de la NFL cette saison. Et la victoire contre les Giants était la preuve et les gars sont unstoppable. Même pas AJ Brown qui a de la game, c'est Devante Smith, Miles Sanders, oui of course hurts. Mais on voit que défensivement, DB, euh, le front, le front seven, wide run, ils tout est dominant. On a on a réussi à dominer Saquon Barkley qui était le seul joueur des Giants qui voulait jouer. Don't, don't give me that bullshit. Yeah. Il, a, il a couru moins de fois. Vas-y, continue, non, tu sais, continue, continue, ça. continue. Ok. It's time um, to shine. Merci. <laughs> merci. Giant Hurts a dominé Il a pris des bonnes décisions, Il fait aucune erreur. Aucune erreur. Il n'a même pas fait plus que 200 verges de passe, je pense. Tellement non, qu à il la a fait moins que 200. Tellement la défensive a, a shut down les Giants. C'est vrai que les Giants ont fait des erreurs aussi, comme en 88. On va pas rentrer là-dedans. Oui, on va rentrer là-dedans. Oh, 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 <laughs> oui, là je veux dire que les Eagles méritent la victoire. C'est l'équipe la plus dangereuse présentement dans les playoffs. Et je veux même dire que si eux se rend en, euh, en Bowl et gagne, il fait partie des top young QB de la NFL. Mais il, a, il, il est déjà dedans. Il a, non, pas encore. Et tu parlais de Trevor Lawrence M la semaine passée, là, tu es en train de me dire que Jalen Hurts n'est pas dans le top 5 des meilleurs non, young QB. Non, c'était une question qu'on posait. On n'a pas rentré Hurts dans la conversation. Il est beaucoup plus proche que toi et que Trevor Lawrence. Oui, mais avec la saison de l'année passée, Hurts n'était pas dans la conversation. Là, cette année, saison cette, cette année, il est, il est là. Mm, bon, moi, c'est une saison, so, je ne vais pas dire qu'il est là. S'il si gagne le Super Bowl, là, dit. là, je peux en parler. Ah, mais pour moi pour, faudrait il faudra qu'il fasse ça deux saisons de suite si tu veux pas tu n'es pas capable de faire deux saisons de suite okay. je veux pas te mettre là dedans genre comme ça, Josh Allen c'est pas un gars que je que suis pas mon préféré mais je le mets là je le, les, on peut le mettre là dedans parce qu'il a montré back to back season que au moins il est dans les top QB est-ce que je le trust en playoff hell no but ça c'est moi comme il y a plein de monde qui believe que c'est 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 one of the greatest so okay. whatever mais pour moi si tu regardes euh, comme de reste, j'ai fait le call, j'ai dit Giants parce que je voulais prendre un. un upset. Un, un, un upset. J'aime ça, hunt pour les dogs. Puis, ouais. je capable de voir un moyen pour que les Giants gagnent la game. C'est vrai. Run the ball. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas run the ball. Ils n'ont pas run the ball. So, déjà, là-bas, les gars sont arrivés avec un mindset comme s'ils étaient égaux. Je sais qu'ils ne sont pas égaux aux Eagles. Là. Ils sont arrivés avec un mindset comme s'ils pouvaient lancer au vœu des Eagles. C'était chaud. So, stratégiquement, les Giants n'étaient vraiment pas prêts à jouer la game. Puis. Comme on m'a dit, parce que moi, je n'ai pas regardé cette game. On m'a dit que première drive, ils ont le ballon midfield, 4 et 8, ils décident d'aller pour. Tu sais, pourquoi tu fais ça, je ne sais pas. Même, même Patrick Mahomes n'a pas le droit de faire un call de même. Euh, Josh Allen n'aurait pas pu faire un call de même. Il n'y a aucun coup. 4ème et 8, tu as eu trois essais pour faire 10 verges. Tu as fait 5 sur le turn down. Tu as juste fait. Tu réussi à amasser 2 verges, et puis là, tu penses tout d'un coup, tu vas faire le first down. Là, les Giants ont eu le ballon. Euh, les parle, dans le ballon, drive touchdown, 14-0, la game est finie là, avec un 0 c'était donner la manette genre, comme, comme tu t'es joué, oh, t'as eu ton early payout 6 minutes in. Ouais, les gars, les, <laughs> les pu juste ok on a fini on joue plus genre, comme mm -hmm. tout le monde quitte puis le, les gens ont fait quelque chose d'autre le samedi soir là. <laughs> comme, je, Les gens étaient zéro venus jouer, comme le coach il, il voulait rien savoir là. Bah, le coach les a, le, le coach les a dead 6 minutes in, si, tu, tu peux pas tu peux pas tu peux pas quatrième et 8 call ça Mais je pense qu'après qu que, comment dire, Daniel Jones a gagné une game contre Playoff, contre Cozen, les gars, c'était comme... Il great QB. Les gens oublient que Daniel Jones est très trash. Comme si... Tu fais la version de Josh Allen, là, comme... Mais tu l'avais bien, bon. bien dit. Tu l'avais bien dit. Tu as dit, la défense des Eagles n'est pas la défense des Vikings. Exactement. Vrai. exactement Vous alliez struggle contre la défense des Eagles. Comme de fait, tu n'as pas utilisé ton biggest threat qui est Shaquan Barkley. Oui. Puis... Ouais, de perdre. Tu t'es tiré dans le pied six minutes dans la game. Puis, personnellement, vous avez gagné. Je vais te le donner. Un massacre. Vous un avez massacre, dominé. Voilà. Un massacre. Mais. Un, massacre. Vous, dire, dire, vous avez, un massacre. vous avez oui, dominé. Comme la weakest steam. Mais c'est ça. Wow. La semaine passée, il y avait des rumeurs qu'on savait pas quelle équipe était la plus dangereuse dans les playoffs. Ouais, cette pas... semaine, c'était la péréquipe. Non, regarde. Après veux, les Bills. Dire, je veux dire, moi, j'ai Après les bills. Je veux dire, j'ai pris Giant pour dangereuse parce que comme tu vas pas me dire que un top team c'est la plus dangereuse. on sait qu'ils sont bons genre le, mmh. les dangers va toujours venir dans les underdogs. c'est vrai. So, je, je, je voyais Giants. si Giants était venu courir le ballon avec Berkeley ils auraient pu causer problème à, aux eagles puis ça aurait été un fou Cette personne n'allait le voir venir so, dans, ce, dans ce mindset là que j'étais genre Giants, c'était la team la plus dangereuse ouais. clairement comme... ils sont pas venus avec ce mindset là pour tout parce qu'ils pensaient qu'ils étaient égal ils sont pas venus Mais... avec comme underdogs. non non ils sont venus quand ils étaient égaux ouais, puis c'est ça qui a fait qu'ils ont, qu ont pris un bâton parce que ils ne savaient pas c'est quoi leur limitations genre ils n'ont pas de receveur là non. ils n'ont aucun receveur non. qui booste à cause la game, ouais. le il betting, ils pensaient ouais. qu'ils étaient date. Oh, de dernier les... jour ils a lancé 300 verges et, Exactement. Euh, ils ont des receveurs sans... non vous avez aucun genre comme vous avez aucun starter, là, receiver là vous avez pas qu'un role players comme comme même pas tout le gars là je sais. dans n'importe quel autre team là. dans n'importe quel autre team odins surtout tout le practice Ogins, squad. odins slayton practice sur... quoi toutes ces gars là c'est vrai t'as raison les gars arrivent là comme s'ils étaient les bests comme ça cause de la performance contre les Vikings. Ouais. même moi j'étais saisi ouais. on a appris on a appris c'est de l'illusion les gars ils vont dire na on même pas notre niveau. Les gars ont pris un bâton. que okay, je vais te donner le massacre, je vais te donner la domination. Merci. Mais pour dire que vous êtes encore la team la plus dangereuse, et la meilleure team de la NFL, relax. Euh, moi je pense que comme dans donner les teams la team dans les NFL. teams qui restent, vous devez, vous êtes moins bons que les deux teams qui vont dans le UFC, live qui est les Chiefs et, les, et Bengals. les Bengals. Et après ça, je pourrais dire vous êtes vous êtes probablement meilleur que les Cowboys. Meilleur que les Cowboys Si pas les Food Rest 49 ça défend Property. Ça défend, si Property joue bien, 49 mm. est meilleur. Si Property joue pas bien, LJ, 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 don't reach, s'il vous plaît. Non, moi, j'ai déjà reach depuis le début de la saison de SFB News, j'ai n'est eu... Mais pas grave, parce qu'on t'a dit, début le début, début, on t'a dit que le AFC est meilleur que les Eagles. Mm. C'est vrai. Tout, tout le long. Moi, moi, je dis en effet, mais je que Eagles est la meilleure que la NFL. Si ce massacre-là, c'était pas un statement pour vous, c'est pas grave. Comme mon coach Tius, en silence et en action on va checker on va se faire au super bowl et puis that's it a yeah. yeah. une game je vais te dire c'était pas c'était jamais la team avant le super bowl tu, tu parles tu parles déjà super bowl c'était oui. pas la team que tu vas jouer contre calcule le next week oh boys c'est des petits ah, et puis yeah. pour une Niners... Comme tu as dit, moi je suis d'accord avec ce que tu dit, le statement tu dit, ça va dépendre de Bro Brock Broke Brady. Brady ouais. Parce qu'il y a déjà Debo et McCaffrey que les deux gars à jouer tout seul peuvent carry plus, une offense. Ouais, et Hugh aussi. Et aussi est dangereux. Hey, hein. Luke et K uh, Kittle, le foot Island. Donc, mais. T'es à une ouais. game d'avoir un chandail. Yo. Il faut qu'ils se rendent au Super Bowl. Il faut qu'ils se rendent au Super Bowl. Pas gagné. c'est pas gagné Parce qu'il manque tellement de respect. quand tu es 10-0, il a dit ils ne vont même pas se rendre au Super Bowl. Tellement. Ce gars-là, oui, ce gars-là manque de respect. Il manque la plus grosse game. Il reste une game. Logiquement, tu vas jouer contre. Ça, c'est les deux top defense dans les playoffs. C'est 49ers puis les Cowboys. C'est les meilleurs defense dans. Peut-être que tu vas faire du Derek Carr tu vas choke last game. We'll see. Next. Moi, je juste là. Je J'ai envie de voir un, un Cowboys eagle contre Eagle pour les we'll playoffs. C'est ça. C'est ça la production. The script. le script. Ouais. Yeah. Yeah. Puis uh, John Hurts bad deck Prescott. Puis Zeke uh, retire. <laughs> <laughs> uh. <laughs> Allez, right, La game d'aujourd'hui. Bills vs Bengals. Oh my God. Yo, yo. Frank. The top boy man. Top boy. <laughs> talk your shit. Let's get. <laughs> non nah, mais si. <laughs> C'est le tour à Nicky parce que Nicky a tout le temps dit qu'il ne trust pas Josh Allen en playoff. Moi, j'ai donné one last year, mon gars, pour me prouver qu'il est ce guy Ça fait non, deux fois. Moi, je voudrais. Okay. Qu'est-ce que j'ai vu Je voudrais. Il n'y a aucune différence entre Daniel Jones et Josh Allen. Dans leurs deux games, là, <laughs> c'est la même game. Ils ont joué pareil. Ils ont joué pareil, ok C'est deux mêmes gars. Tu n'auras plus les éditeurs changés. La même chose. Je sais que Josh Allen est meilleur que Daniel Jones. Ouais. Mais. Moi, on avait dit durant, durant la saison qu'il était blessé. Je suis pas, moi je suis pas mal sûr qu'il est pas ouais, parce que on a vu, il y a vraiment une différence. À un moment donné, il jouait MVP calibre, puis tout de coup, t'as juste décroché là. Mmh, puis oui, après la ouais. défaite des Chiefs, ouais, t'as décroché. Plus mmh, ouais. plus les les, les, les les semaines avançaient, plus il faisait des turnovers. Aujourd'hui, il y en a pas fait où il avait lancé un pick pour encore à, à la fin, ça, ça compte pas. Mais il commençait à lancer des turnovers, des turnovers. Mais aujourd'hui dans cette game, eux ils ont abandonné le run game real quick. Oh il était pas vraiment précis sur ses passes à, à Diggs et euh, non. Mais surtout Diggs parce que la température n'a pas aidé. non mais il a habitué à la température comme si on... il y a tu un canon arm tu joues dans cette partie là il était juste pas précis genre puis ouais. je pense que les, les, les Bengals la défense l'a juste vraiment bien vu parce que je trouve même pas qu'il a pu courir dans cette non. game non. Euh, mais pour... Il fait une coupe de ouais. first down avec ses mais... pieds. Même courir, même courir. Non, il il faisait game. des deux verres. Non, mais je parle lui-même. D'habitude, ouais, ouais, tu ouais. vois courir sur les ah, gars. Et comme... dit, ils sont over, ah, il a jamais Son over, c'est 50. Je ne sais même pas s'il a fait euh, 20 verres par la course euh, aujourd'hui. So, euh, mais pour moi, il était genre, inv invisible. Là, genre y a, y a... Il rien montré dit... là, rien montré. Moi j'avais dit, j'avais call, j'ai dit, s'ils peuvent pas... Comme, ils doivent avoir un running game parce que tu sais que t'as Buffalo, tu sais qu'il va avoir des températures de merde. T'as besoin d'un running game pour faire quelque chose dans ces températures là. Tu peux pas te fier au bras de fucking Josh Allen toutes les games parce que des fois il peut lancer de la merde ou faire de la merde. Puis... Bah, il a lancé pour 200 verges. bah c'est pas assez. Ça. A... Non mais il y avait vraiment aucun... aucune connexion avec Zéro. Euh, ses receveurs. Je euh, sais pas, c'était soit trop loin, soit trop out of J'ai vu Diggs, comme il a battu son gars, puis là-bas, il était straight bin out of -bound. Aucune chance qu'il okay. pouvait mettre ses deux pieds en dedans. comme Il était zéro précis dans cette game. Même s'est énervé, il a dit arrête de lancer des balles. Bah, à la fin, ouais, Diggs était, il était il fire. A, il a, il a, a storm il a stormed, uh, uh, out du uh, building. Il était fire. Yeah. Oui, toute la game, tu me lance des, man des mangos. Même quand tu lances une, une balle sur moi, tu as toujours euh, trop bas. Parce ouais. que je ne veux même pas faire des verges après. Um. So, mais après cette game, euh, tout, him. moi ce que je voulais poser comme question, c'est, on euh, mm. va dire Joe jo Burrow, là, comme là, il, clairement il est number two, ok clairement. 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 Josh Allen n'est pas dans, c'est de l'année passée. C'est fini, Comme le shootout, à Blue les gens qui étaient genre super great là, mais qui peut descendre quelques coches. Yeah, yeah. Euh, il laisse l'espace à Jalen Hurts et d'autres personnes pour venir devant lui. Mais Merci. <laughs> on va voir, on <laughs> va voir. relax. Mais... Non, mais il n'est pas encore là, mais il laisse l'espace, il laisse le jeu, OK the process. Parce que, est-ce qu'il s'est rendu au Conference final Où la date euh, He, Josh Josh Allen, non. Ben, à part oui, l'année la, passé, passée. Non, l'année passé, passé. passée, passée c'était Chief contre Bengals Conference. Puis oh. Bengals a gagné pour aller au groupe. T'as raison, t'as raison. Josh Allen, il ne s'est même raison. pas encore rendu oh, en Conference. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il comme il, il est pire qu'Aaron Rodgers, là. Il finit premier de la, de la conférence pour y aller lemblée playoff. Aaron Rodgers 2.0, mon gars. Attends, c'est ça qu'il fait. Je vais lui donner un autre deux saisons. s'il fait deux saisons comme ça, encore sans gagner, puis il finit toujours premier. Trade non, là, tu fais du pur Kirk Jones, parce que a gagné au moins une fois. C'est Kirk Cousin. Ouais, mais. Euh, Joe Bro, si il gagne, il va au Super Bowl. Il bat les Chiefs Et encore. Josh Allen, Josh Allen gagne pour time, though. Ouais, c'est vrai. Il est meilleur que, il est meilleur que cousin. Eh oui, meilleur meilleur cousin. Kirk, s'il vous plaît, Kirk. Mais si Joe Burrow gagne, puis il bat les Chiefs next week, il va au Super Bowl, il gagne au Super Bowl, est-ce qu'il est meilleur Si c'est -ce lui le top QB. Si Joe Burrow, les Chiefs et gagne le Super Bowl. Parce qu'il aura battu les Chiefs deux années de suite au Super Bowl. On sait déjà que les, les, le Joe Burrow, c'est la, la bête noire de, de, à date des de de Chiefs. Il... Ouais, ouais. Je ne veux pas dire oui, mais je ne veux pas dire non. C'est ça, c'est un peu. Mais regarde, faut que je te dise. Si on compare les deux QB, Patrick Mahomes est arrivé sa première année. Il était, il était off the bench. Mm -hmm. Il a pris le spot. Il est allé en playoff. Il s'est fait éliminer par Brady. Ouais. L'année d'après, il est revenu. Il a battu Brady. Il est allé au Super Bowl. Il a gagné. L'année d'après, il est retourné au Super Bowl et il a perdu. Ouais. Là, tu me regardes. Tu regardes. Juba euh, Row. Sa première année, ici, est, et est, et est à la yeah. Deuxième yeah. année, il a joué, il était posé, il a fait les playoffs. Mm. L'année passée, il est allé au Super Bowl. Il a perdu, là, il est revient. S'il va, il va encore au Super Bowl, puis il a battu les Chiefs deux fois, mm. puis il gagne mm. le Super Bowl. Pat ma, Mahomes ma, ma, pa pa -Ma est considéré le numéro 1. puis il bat deux fois. Pat Mahomes est sur son chemin, là. Il n'y a plus Pat Mahomes, mais deux fois, tu le bats. You're, you're the number one. I can't debate that. T'as raison, man. je te dis. Statement: si bat Pat une autre It fois. Il gagne le Super Bowl. Puis il gagne le Super Bowl numéro 1. La seule mais chose qui donne l'avantage à Pat Mahomes, c'est son MVP de cette année. Ah ouais, mais. Est-ce que Pat Mahomes a déjà un MVP? Ça, deuxième. Deuxième. Ouais, ouais, non mais non ça va être son deuxième? Ça va être son deuxième. Ah mais ça veut rien dire MVP si je te bats pour aller sais. au Super Bowl. T'as l'MVP, puis je t'élimine, puis je gagne. I'm the top dog. I'm the MVP. I'm the top dog. C'est pas grave, je vais le Super Bowl MVP. Est-ce qu'on peut considérer aussi que Chase serait le meilleur wide que Justin Jefferson? Si il y a Super Bowl? Aujourd'hui, il n'y a pas de show, man. Il n'y a pas de show aujourd'hui. anyways receiver, c'est toujours par préférence, mais pour le reste, c'est le top dog. Jefferson, lui, ce qui se en plus off. La team des Bengals est nice, man. Jermichis va peut-être aller... Il y a une chance d'aller deux fois au Super Bowl. Genre, so... ouais. Je faisais, on ouais. est encore loin de, de ce rod là. Il mmh. est vraiment ah, très loin. S'il ne change pas de QB, mmh. <laughs> ça va nulle part. Il ne se rendra pas. Mmh. S'il ne change pas de QB, il ne se rendra pas. Ouais, ouais. Oh. OK. Um, là, la game ici. Uh, quoi, prédiction pour. Uh, uh, 3-0, c'est 3-0, uh, Foyaneuse. Est-ce que vous pensez, en regardant la game vite, vite, uh, ça a l'air de quoi? Ça a l'air d'être une defensive game. Ouais, ça a l'air de. Non, il n'y aura pas beaucoup de points dans cette game. Euh, on dirait. La, la façon que je vois ça, c'est. Pour, pour que les Dallas gagnent, il faut qu'ils forcent Puddy à faire une erreur. Puis okay. après ça, on va voir comment il va jouer de là. Parce que tout le long, 49ers, pour moi, ils ont toujours joué avec une avance. Puddy a été confortable. Est-ce qu'on n'a jamais vraiment demandé de gagner la game? Genre? Ouais, comme. a on Ouais, c'est ça. So, si ça, ça arrive, puis je sais que 49ers. C'est une team qui dérange tout. Leur système fonctionne, mais quand ça ne fonctionne pas... Ah, oh, c'est là me le trash ouais. <laughs> so, c'est le bordel. On va voir live, troisième essai. On va voir. So, mais Pour le reste, Dak Prescott doit jouer comme, comme il a joué la semaine passée pour, 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 pour que la team compite. Mais mm -hmm. je vais prendre Cowboys quand même pour gagner genre, par 3 points. Mais toi, tu veux le script du ouais, rivalry. Oui, je veux que Personne dise... Parce que Personne a dit... Hertz c'était pas MVP c'est juste c'est juste le système qui est bien pour lui comme pas, wow. il était pas waouh c'est ça qu'il a dit quatrième et un wow. attends là, attends une minute est-ce que là c'est une de mes questions entre entre euh, Mahomes Burrow Dak parce que je ne vais pas compter euh, Purdy là-dedans là, là. est-ce que entre les trois il met, euh, présentement en PP quand tu regardes les games le basket avec la game de Eagles non tu peux pas t'es troisième bro. Yo <laughs> non bro. Yo, blessed. He a joué, to have an end était blessé. Il était capable de faire un end-off là. Vrai, il, un on the là. No, but il first half when he went, ballon on back. On, on l'a piqué, on l'a piqué, puis on l'a tapé. Oh. Non, mais le first half, quand il jouait, il devait sauter sur un pied pour et donner bon, le ballon no, back. Ok, tu sais quoi Parce qu'il a joué blessé, et no, 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 a no, no, a Deux... no, Non, 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 non. Joe Burr. non, non, non. Mais Bills jouait mal. Qui est Bills puis Giants? Qui est meilleur? Bills. Et ça, on a fini la conversation. Okay, <laughs> next week, Next, <laughs> next week, on <laughs> <Next week we're laughs> passer. <part laughs> next week, we can try. Okay. Okay. Je te dis, dit, tout, tout dépend de ta semaine prochaine. Mais tu sais ce qui est Parce que tu as si la deuxième. Parce que whoever wins at my home puis chose. t'es still en bas de lui. Mais si tu gagne contre le Super Bowl. Ah, là, 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 on parlera. Là, c'est dans deux semaines. Là, dans deux, deux semaines. Dans trois semaines parce qu'il y a le Pro Bowl. trois semaines. C'est vrai. OK. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que Giants puisse se rendre au Super Bowl un jour?

c'est yes. un flou. Il est OK. Il est était Regarde, je vais te dire une affaire. Daniel Jones était dans le contract year OK. Mm -hmm. Il a réussi il à se rendre au playoff. Là, il va demander max contract. Et après, il va flop. Là, il va flop. Regarde, j'ai ouais, ouais. vu ça arriver. Oui, moi, j'étais un fan de Ravens. Joe Flacco, lui, a reçu oh. son game ball. Il est allé jusqu'au Super Bowl. Après ouais. le Super Bowl, qu'est-ce qui est arrivé? Flop. Trash. Le okay? Mort. Jackson. Non. Non, je crois. Respecte mort. Je respecte mort. Mais juste pour te dire. Comme tu as fait ce que tu as à faire, ok, Daniel Jones, bravo. Si tu as le bac, tu as le bac. Good job. Mais il n'est pas bon. Est-ce qu'il a encore raté le Pétit Non, non, je pense que c'est the way, Cowboys, Teddy, puis ils viennent se faire bloquer le Pétit. Mais lui, il ne peut pas faire le job. Là, on sait déjà qu'ils sont contre qu'il n'ait pas eu le Mais c'est ça, Daniel Jones, pour moi. La, le seul bon piste là. Il oh, y a, le, y a, la, y a, la, y a Miss. Le seul bon piste dans l'organisation, oh c'est Saquon Barkley. Bon, oui. Le problème avec, avec avoir Saquon Barkley, le temps que la team soit bonne, Saquon Barkley va sûrement être trop vieux. Mm -hmm. so, rendu là, même lui, tu peux le trade et recommencer à zéro parce que, est Giants. Vous êtes rendu en playoff. Vous avez un bon un coach quand même qui était cave dans la oh. dernière game. Mais pour moi, ce n'est pas le QB. Comme, si vous. Euh, Daniel Jones comme QB, puis vous, ça, un contrat de comme 4-5 ans, et vous, vous allez juste réaliser comme 3 ans in the contract à payer max, max dollars. Well, for que, oh shit, c'est que cousin. Il fait rien de sérieux, il fait juste des stats. Il ain't gonna win. Bon. So, Saquon, go to the Bills, they need you. Ah oui, ça c'est yeah. bon, ça. They need you, they need you. All right. Uh, Mais je pense, la... que durant le euh, durant la saison, on un moment les Bills checker voir si Giants voulait trade uh, Saquon Buckley et Giants uh, voulait non, pas, non. mais ça, ça serait un bon pick-up. Uh, prédiction pour uh, 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 la, la Conference uh, Finals? Right? Ouais. Chiefs uh, contre, uh, Chief contre Bengals. Life ou de reste c'est trop tôt pour okay. non, non, <laughs> non, non 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 okay, non non. Non mais j'aimerais savoir <rire> si, <rire> si Pat Mahomes va être in ou out. Il bah, y, y a des joue, mais il y a un high school spring. Il y a des qu'il joue c'est sûr, mm -hmm. mais je sais que cette semaine il ne va pas pratiquer. Euh, probablement, la BSO va l'affecter quand même. Mais Bengo c'est sa bête noire. C'est tough à dire, man. Il y a assez d'outils, guys. Hein. Euh, euh, Pachiko est, est bon. Chiefs. Kelsey est là. Pachiko, je comprends, mais les gars, ont, il, manque, il manque un wide. Il manque un wide de plus Il manque un, il manque un, drum, il manque un chase, Mais or chase. Un, là, juste pour comme. Parce que si tu fais une defense pour Kelsey et pour le running game, les autres wide, là, une fois sur deux, ils vont drop je dis pas drop mais, mais bon, bon, c'est bon, pas, bon, pas eux qui vont te battre exactement je suis d'accord avec mais toi c'est vrai que live en ce moment je regarde tout à l'heure me dit que Bengals. 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 Bengals but it's Pat Mahomes but, si les Chiefs se feel si. comme underdog s'ils ont la motivation qui okay, nous ont battu l'année passée ils nous ont battu cette saison les Chiefs sont home ils, aussi. Ils, ouais, ils se mettent comme underdog ils sont comme nous ils pensent sont meilleurs que nous là ils sont capables de venir jouer puis battre les les, les Bengals Pour ça, je te dis là je pars en... Une prédiction, mais si je devais choisir, c'est vraiment comme. Je suis obligé d'aller avec like. ma home. Comme... Oh. Je, suis... je dois aller avec Pat Mahomes. Pas... Parce qu'il je suis d'abord comme la faut que. Je ne sais pas, je ne peux juste pas aller contre Patrick Mahomes, c'est tout. c'est like, juste ça. Okay. J'aime bien, bien Joe Burrow. Il y, a la, il y a le dog mentality, mais juste. Mais nice. ça fait deux fois que tu te fais battre par Joe Burrow, puis là, c'est le temps que tu. tu non, mais tu... c'est ça, ça, je, je dans... le gars même pas. Faire un play, pas faire ouais, un play. Mais, ça, mais si je vois durant la semaine que le, le, le NJ, il a jamais pratiqué, mm. comme il est pas good, c'est sûr, là, je, je, je suis obligé d'aller avec les Bengals. mais on va dire, si je. si Je le demande live. Live, je suis obligé de prendre euh, Patrick Mahomes, parce que c'est Patrick Mahomes. Ok. Mais durant la semaine, yo, je, je pourrais, je pourrais, je pourrais <laughs> être très bien flipper, parce que. Yo, <laughs> si, je, si euh, Patrick Mahomes ne pratique pas de la semaine, mm -hmm. puis comme son pied est style pas bon, comme ma batte, genre, comme. Il va avoir besoin de pouvoir de esquiver parce que j'ai vu le patchage de de les Bengals, Bengals aujourd'hui contre Josh Allen, ils arrivaient vite. Faut que tu sois de les comme ils sont pas quick pour te courir après mais faut que tu sois capable d'éviter de, 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 le premier. Puis si il peut pas courir comme ça, eh ben ça va être une long game. Voilà. Puis je pense pas que le run game de Chief est si boosté pour, pour compenser pour Patrick Mahomes s'il peut pas se déplacer genre. So, mais ok pour le reste si la blessure est for real, je vais donc Bengals. Bengals est avantageux live. Merci. Bengals, Bengals. Merci. C'est pour... tout ce que j'ai à dire. Bon, euh, next c'est Eagles. Eagles contre. Euh... C'est Eagles contre whoever. Exactement. C'est Eagles contre <laughs> whoever. <laughs> On whoever. Vous? Si les Eagles jouent contre les Cowboys, je prends les Eagles. Okay. Si les Eagles jouent contre les Niners, je prends les Niners. Regarde, regarde là. est tout seul. Bopedi l'a pas vu. Bro. Quand tu contre un rookie QB en conference, veux-tu vraiment? T'as même pas vu le play comment il a roll-out avant de parler. <laughs> j'ai vu le play-out là, il a bien joué mais il a pas vu. Faudrait... Yo les... Je, les goals... Dis-le, là. Je pense pas je pourrais les goals là. Oh my god, yeah. C'est qu'est-ce qui est fou? Je sais pas si je pourrais les goals contre whoever. Yeah! So whoever. Hot take! Um, j'ai... Les goals, j'ai besoin de still de prove, prove it to me, genre. Euh, still prove, still. T'as juste, <laughs> juste joué une game en playoff, là, comme. Relax. T'as juste joué une game. J'ai toute une saison pour vous prouver que j'étais all that. Comme the frauds. No. Mais still, je, je pense still prove it to me, comme. Yeah. Les goals, j'aime bien les goals quand ils sont des underdog. Yes. Favoris, c'est autre histoire. So, euh, je pense la fac 49ers, uh, Purdy... est-ce que je trouve Purdy nécessairement pour comme, comme si Brady se rend et gagne puis tout là, c'est du bail Tom Brady. là, mm -hmm. comme ça oui. dire. Oui. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il est vraiment ça? Je sais pas. Peut-être avec plus de game tape les gens vont, vont, vont le vont l'exposer. So. Je ne pas. Puis les Cowboys c'est une équipe comme ils peuvent bien jouer, mais en même temps ils peuvent être aussi super trash. So, c'est dur de, de de Mais je pense que les deux ont un edge sur euh, sur les Eagles parce que ils ont cette saison ils ont eu comme ils étaient dans le top 10. Défense et offense, chacune des deux teams. Tandis qu'Eagle, ils ont une des top offense, mais leur défense était made of the pack. Donc, so, je vais aller avec ah, une, team, une, une team qui a, qui a été aussi bon en offense et defense, je trouve toujours qu'il a un edge comparé aux autres équipes. Oh, bah, ok. Puis tu vois, live, en plus, les Niners ont de la misère à courir sur le front 7. Si euh, ouais, Niners joue euh, contre Eagle, yo, fait le run over, là, je, je m'en fous. On a. <laughs> justement non, 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 non. pour ça Donc, vous avez, tu sais pas si ajustement fonctionne vu que tu vu... étais en bail puis les giants ont pas couru exactement so, vrai, non. You don't even know. Vrai. je m'attendais <laughs> à ce que justement c'est pour tester notre ouais. ajustement non, on a non, pas non. pu non. le tester tu veux pas tu veux pas savoir tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas pratiquer ton ajustement contre les folies énerguses. non et même euh, tu veux pas voir pour le non plus courir sur toi ou zik Zik il n'aime pas de faire une course de divers jours je ris comme sincèrement tu... Tu me fais vouloir une game Eagles... Moi je vois Eagles-Cowboys, c'est moi ça que veux soit ta kryptonite. Zeke est terminé, je vous ai dit est terminé, it's been years I've Il fera un touchdown, il fera un touchdown dans cette Oui, un. À ligne de 1. Il va break away un 60 yard TD. Break il peut pas se rendre. bon Il peut pas se rendre, le gars est trop lent. Détruire... Détruire... B... C'est quoi son nom? Badberry, Badberry. Truck stick, Bradbury un début va l'attraper, va le trip. C'est même pas un problème pour ça. Tony, pour eux, c'est le, le vrai problème, mais bon. On, 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 on verra. All right, so, je fais un petit recap quick-quick. Bengals, Bengals, Bengals. Sauf si, par miracle, euh, comme euh, Ray Lewis, Durant Super Bowl, Pat a un super juice, puis son ankle est back. Et I puis, wouldn't be surprised. Ouais, moi non plus. Et puis sinon, euh, Eagles, et toi, whoever. OK. Et toi, t'as dit Eagles. On est tous contre les Eagles. Parfait be a great, a great next week. Ok, euh, football j'ai terminé. Avez-vous euh, d'autres questions? Non. NBA, on va, on va parler avec le plus gros buzz qui s'est passé ce week-end. <laughs> ma 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 guy, Sharp contre les euh, euh, contre les Memphis Grizzlies qui jouaient euh, euh, à LA contre les Lakers. Bref, il y a eu une altercation parce que Shannon Sharp a dit à qui À Dylan Brooks Dylan Brooks. Il a dit « Tu tu peux pas garder LeBron, tu es trop petit. » Dylan Brooks est énervé, il a dit « Fuck you » à Sharp. Sharp a dit « Fuck you back ». Brooks s'en venait avec Brooke, Jamorant et puis l'autre, le Steve Adams. Ils sont venus ici step Shannon Sharp. Shannon Sharp is about that life. Les gars, a ne savez pas que Shannon Sharp vient du pur ghetto. Pas de toi, quand il était jeune. Donc, so, le seul gars qui aurait vraiment causé un problème, je pense, c'est euh, Adams. Tout -ce le ce reste. Ouais. Tout le reste aurait pris un bâton dans les mains de Sharp. Ma question. Première question, c'est. Est-ce qu'il y avait le droit. Sharp avait le droit de parler comme ça avec Bro? Alors, première question. Non. Mais si, si ça a commencé en disant You too small for LeBron. Ouais. C'est pas grave. C'est sûr il y a plein de fans qui disent ça tout le temps. Ouais, 100%. Comme, Merci. C est, c est, c'est pas, le, pas le, le 13e joueur ou 12e joueur. Au, 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 là, les, gens, les gens, ils crient toujours des affaires. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, bench, ça. Non, je suis d'accord avec toi. Sans que, ils n'arrêtent de crier, me... ils se battent dans les estrades contre d'autres personnes. Tellement que après, c'est le back and forth qui a commencé. Ouais, mec, qu qui, qui a commencé vraiment le. Parce que lui, il si a juste dit, You're too small le LeBron, c'est posé. Si c'est. Si, si, si c'est lui qui a commencé à dire fuck you, il commençait à step sur l'autre. Okay? Si c'est Dylan Brooks, ben, c'est pas de sa vie. Ça, c'est des affaires qu'on saura jamais. Ça, ça, Moi, je ne mets pas d'importance sur cette affaire-là. C'est quelque chose qui est arrivé. Mm -hmm. C'est des stars. Est-ce qu'ils allaient le foot euh, Shannon euh, Sharp dehors Non. non. Euh... Ben, moi, je l'aurais foutu dehors parce que ça a été n'importe quel fan qui n'aurait pas été nommé Shannon Sharp. Il l'aurait foutu dehors. Non, mais c'est ça la L'affaire, c'est de ce que j'ai compris, c'est parce que Shannon Sharp. Il n'est pas un fan de Dylan Brooks, la façon que les, 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 les Grizzlies agissent, puis il en a déjà parlé ouais. genre, en TV. Ça so, as se peut que Dylan Brooks a déjà pris exception le moment qu'il a dit ça, il était sous bif. Ce n'est pas la première fois qu'il y avait du trash talk back and forth, Lakers. Euh, ouais, ça, so, moi, je ne mets même pas d'importance sur ça. Comme à la base, le... même Dylan Brooks, tu n'es pas supposé venir step un, 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 un fan. Un fan. Un, so, C'était également bizarre. Comme même s'il parle caca, es supposé rester... Ben, T'aurais pu lui donner une game de suspension à, à Brooks aussi. C'était ben, pas, pas une game de suspension, c'est too much. là. mais ben, maintenant, tu, tu kick out Sharp, puis tu donnes... Ouais, tu, ouais. tu kick out Sharp, tu donnes un tech à Brooks, that's it, that's all. Ouais. J'aimais Comme... plus le trash talk que LeBron a fait avec, euh, avec le patiné. Il a dit, « Bro, commence pas. Là, tu, tu rentres qu'une coupe de shot, puis tu te dis que t'es all ben, that, ben, Moi, ben, moi ouais. je suis sûr c'est vraiment... C'est parce que c'était Shannon Sharp qui avait tout ça. Parce que si c'était un, un regular fan par dit. rapport, il aurait juste continué à jouer son basket. Tout. Exact. Euh, J'avais pas foutu shop dehors, il est revenu après. Euh, comme ça lui parler, puis ça, il a, a repris son, son siège. Mm -hmm. C'est bien posé là, comme... ouais. bon, moi je veux juste dire qu'il a le droit de parler, qu'est-ce qu'il veut. Moi, je... c'est Bro qui était dans ses feelings. Euh, comme tu as dit, à cause de tes ça, ça a surmonté ses émotions plus rapidement. Ouais. Et puis il aurait juste dit fuck you, fuck you, puis la a walk away. Mm -hmm. On le fait que là, tout le monde s'est retourné comme si elle avait un gourmet, tu quoi là Tu es un athlète professionnel. <laughs> Play the game, bro. Play the game, bro. Play the game, là. T'sais, arrête de t'en comme ça. Mais bon, moi je pense qu'il était dans le tort, Dylan Brooks. Euh, Donovan Mitchell, oui, c'est blessé. Euh, ou... ouais, c'est pas, pas, pas. Pas, pas si pire que ça. Mais euh, ça fait que Game qui perd. D Dès que Donovan ne joue pas, Glenn ouais. pour, pour up des numbers, euh, Mobley pour up des numbers, mais ne réussit quand même pas à gagner. Est-ce que ça veut dire que Glenn ne peuvent pas gagner sans Mitchell ou c'est un temps d'adaptation? Moi, je pense que comme l'année passée, ils ont fait le play-in mm -hmm. avec la, la team sans Mitchell. Puis si, le fait d'avoir Mitchell comme une star que, qui prend autant de shots, comme, ça ne leur a pas laissé d'avoir la chance de genre, progresser pour devenir une bonne team par eux-mêmes. So, là, vous vous avez juste rajouté un gars qui prend comme 30 shots par game. So, quand ils il n'est pas là, c'est sûr que ça va les affecter. faut qu'ils reprennent, il faut qu'ils se réhabituent à jouer genre comme ils jouaient l'année passée sans Mitchell. Euh, je pense quand même que c'est une bonne team, même sans Mitchell. Euh, comme s'ils sont, je ne sais pas, ils sont placés où, mais je pense qu'ils sont en playoff en ce moment. Ils, les sûr, ils sont Comme les allaient pas des, ils n'allaient pas être tout de coup plus dans le là même si Mitchell serait out of season. Je pense, je pense qu'ils allaient still faire les playoffs. Ils sont, sont 5e, puis ah. ils sont 29 sur 19. C'est ça. Bon. Mais ils sont probablement moins, comme, euh, moins boostés offensivement sans Mitchell. Puis il y a des games. Mitchell, c'est un gars qui fait des tough shots. Là. So, ça, ça change quelque chose quand tu joues avec les bonnes teams tu penses que on va rester positif ça va bien aller ou bien non. Bah, le, je sais pas comme si c'est une longue euh, c'est une grosse blessure là comme tu as dit là il est pas hors for season ça so il devrait être chill l'autre okay. question anthony davis revient le 28 janvier est ce que ça va aider les lakers ou non non. non moi c'est non désolé <laughs> à je, 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 je euh, <laughs> at this point. à <laughs> on a vu que les lakers sont meilleurs sont meilleurs ça... sans AD, euh... et comme Eddie va venir, il va faire ses stats, ils vont bien jouer, il va se blesser. Comme tu je sais que tu peux pas faire toute la saison, je, comme même si tu reviens, tu vas juste comme empêcher comme des choses qu'ils ont qu'ils ont commencé à build comme Westbrook joue bien live. Ouais. Ça est-ce qu'il va bien jouer quand il va avoir avec Eddie parce que mm. là il va encore avoir moins le ballon, tu comprends Puis il va avoir le ballon. Il y a des affaires que comme il y a des affaires que, que là on parle pas des Kuse parce que justement il y a Eddie est pas là qui va réapparaître le moment qu'Eddie va revenir genre. Eddie va il pas vouloir prendre les rebonds. Il veut il pas jouer center. Yeah. Surtout, t il le même problème de fucking center. Yeah. Euh, Puis Thomas Ryan est en train oh, de pousser ouais énormément. Au moins, live, as un center qui, qui fait. Même s'il si oui. n'est pas boosté, il fait ce qu'il y a à faire. Exactement. Là, Eddie va juste vouloir faire des points. Euh, comme ça va juste, le fait qu'il va revenir, oui, c'est un, un superstar. Mais il va juste amener ses propres problèmes. Puis à la fin, je sais que je ne peux même pas de trust pour que tu dures jusqu'à la fin de la saison. Moi, j'ai fait une coupe de semaines, qui j'avais dit qu'il fallait le trade. Ouais, ça coûte du moins que ce euh, matin. Ouais, c est, c est, ça serait un bon trade si euh, des teams tu laisses se faire finesse, oui. Bah, c'est euh, ouais. le seul pattern dans l'équipe, comme je l'ai dit, qui a de la valeur. Oh, je suis d'accord avec ça. Là, lebron, LeBron, LeBron. Ouais, mais tu le trade, puis le lebron, lebron il a des restes. Non, mais tu le trade pour, pour qu'il fasse un petit dernier playoff push, man. Ouais, mais LeBron, comme. Mais ils peuvent faire. C'est ça l'enfer. Fait. Si tu trade Eddie, tu vas chercher des bons pistes, des, des shooters, shooter. ou un guide, ou euh, un autre small forward. Non, non parce que t'as besoin d'un post. Tu es en train de me dire je vais changer mon poste. No live, no live son. Mais qu'est-ce qu'il a à faire Qu'est-ce qu'il a à faire bro Ouais mais je vais dire The Grand joue ont... power forward. Non, ça c'est pas, pas ça qu'il... il fait ça parce qu'il n'a pas le choix. Bah OK, live. un power il veut, forward. Il veut pas mais c'est ça, tu veux changer power forward contre power forward. Le team va dire bah tu veux que je prenne Eddie qui va se blesser pour donner mon beau power forward C'est pas logique. C'est vrai mais mais écoute, Eddie pour un coup de de bons même si c'est pas des all bail c'est Eddie des pick. Ok, c'est oh, le salary cap space. Et mm. next year, tu prends le biggest regen tu peux. That's it. Ça, c'est le lucky way anyways. Ouais, parce que Eddie, euh, avant qu'il se blesse, son average était 27 points par game. Ouais. 12 yeah. rebonds par game. Il jouait bien. Il jouait très Je, bien. Même, j'ai pris de la hype. Moi aussi. J'ai de la hype. Yada est juste à vrai. Mais si like. on se base là-dessus, il y a encore du potentiel. Puis moi, ah je. C'est fini. C'est way... fini. Oh, fini. fini. Il est old. Ouais, comme il est quoi, 30 games par saison. Yo, le gars, est il, 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 je ne même pas qu'il y a 30 ans. Puis yo, dire, il, ben il a 30... 9 ans. Il y a, a 37. Il va avoir 30 le 11 mars. Euh, il, il, non, <laughs> il est fini. Il est fini. Okay. Right. Comme Eddie est supposé être comme dans. Qu'on se pose parler lui comme si dans les top players, là avec genre Embiid. En tout cas, post embiid Janice, Jokic, yo. Davis aurait dû être là, là. c'est pas là. Non. Vague. Vague, bro. Euh, Kevin Durant, depuis sa blessure, commence à l'oublier. Les médias parlent plus vraiment de lui. Aye, euh, voilà. tout, tout ce qu'on parle de lui, c'est qu'on le dépasse dans les votes de All-Star. Quand on parle des Brooklyns, on parle juste de Carey et de l'amélioration de Ben Simmons, comment l'équipe progresse. Mais ils perdent. Mais ils perdent pas toutes. Ils ont gagné leur première game depuis qu'il est pas là, comme euh, vrai? contre les Spurs. Parce que même pas contre Utah, contre Utah. Ils, ils ont, ont perdu, perdu Spurs. Ils ont perdu tout leur game depuis. Ouais. Ils étaient 0 et 4 depuis que KD n'est pas là. Oh. Puis euh, KD, ils ont gagné finalement contre Utah. KU était bien trash en hein, KD. Non, les gens, disaient, ah, oui. les gens parlaient de est-ce que Kyrie est vraiment une star parce que son, son average de win sans, K sans une autre star ah. dans sa team était comme il est 500 ah, genre, il n'est pas bon genre. Ah ok je comprends. So prends. moi je trouve ah, le fait qu'Eddy n'est pas là, même si on parle pas de Keddy, ça a juste manifesté que Keddy c'est vraiment un MVP type of player parce que quand Keddy jouait sans Kyrie, il pouvait still gagner les games. Mm, ouais. Kyrie sans KD avec Ben Simmons, yo. C'est Ben Simmons ben qui supposait être ton deuxième meilleur joueur. Faut que tu réalises ça. Là. <laughs> mais non, c'est le nouveau, là, le Claxton, le nouveau euh, Second Guy. Mais si style pas bon, c'est -ce un gars qui, maximum, son best game, il donne 15 points. C'est vrai. Ben Simmons, son best game, il check que tu double. Ouais. 10, 11, 10. Si tu as besoin de plus, tu as besoin de comme. Yo, tu viens de perdre un gars qui peut checker comme 30 ah. points dans son slip. Là. Euh, mais c'est ça. Mais Kyrie, en ce moment, il était il était pas à voir là, finalement il a joué une bonne game il a fait, il a fait 48 points contre le Utah je mm pense -hmm. parce qu'il a vu à la télé que les gens étaient en train de le diss yes, wow. euh, mais non KD on parle sûrement pas de lui parce qu'il est pas là mais tu vois que sa présence est... pour les Nets c'est important. important parce que les Nets avaient un streak de win là, pendant que j'étais en vacances puis j'étais comme shit les Nets sont boostés puis tout d'un coup euh, un CBC, le de s'est baissé puis perdu MCL c'est MCL, quoi 6 à 8 weeks c'est quoi de même ouais quelque chose comme ça ça va peut-être leur faire mal un petit peu en fin d'année. Ça va peut-être jouer dans leur. Ils euh, devrait faire le top les playoffs 3. quand même. Mais... Ils vont faire les playoffs, mais peut-être pas top 3. Après, ils vont genre 4, 3. 5, 6. Ouais, la moi, ouais. je les vois jouer sur KD. Là, ils ne sont définitivement pas top 3. Là, c'est pour la NBA de mon côté. Non, non, Sauf que ça, c'est plus pour toi. Je ne sais pas si tu as, euh, as plus regardé cette game-là ou tu as parlé. KD. Euh. Bon, euh, Ronaldo est allé jouer pour euh, l'équipe à je même pas tu... Al-Nazar. <laughs> Al Thank you. Al-Nazar Al Al-Nazar. Al-Nazar. Et puis Messi est allé à PSG. Moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. De... PSG contre Al-Nazar. Ok, premièrement, les deux équipes sont owned par le même. Le... <laughs> Le, le même propriétaire. C'est pour ça qu'il y a eu un friendly entre okay. Messi et Ronaldo. Ok, c'est pour ça. C'était prévu, c'était okay. du marketing, ok? okay. Mais c'était still une game de soccer. Oui. PSG, mm -hmm. une des meilleures équipes d'Europe, mm -hmm. contre des. <laughs> yeah, Je... C'était quoi le final score? Je vais, Je vais pas dire des fatras. <laughs> c'était des <laughs> Dis-les bien comme une mm -hmm. leçon. Mais genre, deux, trois bons joueurs, puis des arabes. Et Ronaldo. <laughs> Non, les deux, trois bons joueurs, c'est Ronaldo, euh, Anderson Taliska. Puis l'autre, j'ai oublié, c'est quoi oh son nom? Man. Puis des Arabes contre <laughs> PSG. Je veux arabe, des arabes juste joueurs mais... On connaît pas leur nom. Ça, ça fait... l'a fini 5 à 4. Yo! Pour PSG. Non, mais le PSG, s'en foutait, là. Bon, ouais, je suis d'accord. C'est vraiment ce que, un friendly. C'est je... still un friendly. Non, mais si, puis Ronaldo, s'en foutait pas. C'est les deux gars sur le terrain qui le... s'en foutaient le... pas. Mbappé aussi s'en foutait pas. Et voilà. So, t'as Mbappé sur le terrain, t'as Neymar sur le terrain. T'as Messi, Messi sur le terrain, t'as Marco Verratti sur le terrain, t'as Donnarumma, t'as Marquinhos, t'as Sergio Ramos, t'as tous les meilleurs joueurs, joueurs du monde qui étaient sur le terrain. Puis c'était qui le meilleur dans tous ces joueurs-là? Okay. Cristiano Ronaldo. C'était un All-Star Game. C'était un All-Star Game, ok? Il a marqué deux buts. C'était un All-Star Game. C'est comme, comme quand tu joues le All-Star au basket, là. Tous les meilleurs joueurs sont là, mais est-ce qu'ils est qu essaient de jouer pour défense? Mbappé voulait gagner, ils ont, ils ont essayé fait, de gagner. Ils ont fait leur but. Ils ont fait leur but. Ils ont... Mais au Warstorm aussi, ils essaient de gagner. Ils s'en défendent. Ils s'en foutent. Comme le, le edge defensive, le defensive edge qu'ils auraient pu avoir, ils ne l'ont pas mis dans la game. C'est un pralissait. friendly. C'était un friendly pour, la... pour revenir la seule en, chose en préparation dans pas. la ligue. C'est juste, perd pas. C'est juste ça c'est ça, ça le, le mot d'ordre. Don't lose. That's je it. pense que, defensively... rien à foutre foutu. Défensively, ils ont foutu. Peu importe qu ce qui s'est passé, moi, le meilleur joueur sur le terrain, c'est Cristiano Ronaldo. C'est ouais. juste ça que je veux prouver. Euh, peu vrai, importe c'est quoi la, la, la situation, l'occasion, I don't care. Ah, Cristiano Ronaldo, t'a prouvé. J'espère qu'il y a un edge, il, il doit tout faire dans Cristiano, équipe. Cristiano t'a prouvé. Oui. Cris, ben, les, peu les importe tout ce que Cristiano joue, il t'a prouvé qu'il est capable de marquer sur Marquinhos, Sergio Ramos. Mais on savait déjà sur, ça. Sur tout le monde. On savait déjà ça. Mais si t'es un bon joueur, ok, ok, on va te donner ça. Mette ça au basket là. T'es un bon joueur, ok. Puis là, tout de coup, tu, tu joues avec quatre fans, ok. Mm -hmm. Puis là, il y a une autre équipe qui a plein de bons joueurs qui jouent ensemble. Yo, c'est sûr tu dois être le, le meilleur quand tu joues avec les quatre fans parce que tu dois tout faire anyway. Ça ne me prouve pas que tu es La le meilleur joueur. Laurent aussi allait avec son, 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 son point. Mm -hmm. C'est pourquoi Ronaldo serait parti dans une ligue où ça, on s'en fout de lui, là, comme parce cette que... ligue-là, on s'en fout, quand il aurait pu rester dans une ligue d'Europe puis still perform, puis still marquer Merci. des buts. C'est là que j'allais. Parce que... La gueule a fini 4 ah, Il est 5. parti parce que les gens lui ont dit qu'on ne qu ta... le veut pas. Il est parti. Les gens lui ont dit on ne le veut pas. C'est pour ça qu'il est parti. Là. Est juste pour moi, c'est un, un, un no-brainer. Le gars, le gars a les skills. Oui, le gars définitivement. avait assez d'argent. Le gars avait tout. Et on lui a dit non. On lui a dit non. non oui. Il ne voulait pas, pas coter son salarié. Il lui a dit non. c'est pas ce n'est pas une affaire de Ronaldo ne peut pas jouer. Ronaldo ne voulait pas, voulait pas moins d'argent. Les teams lui ont dit tu « fais, Tu fais ça ?» On te prend, tu veux pas Ok, on dit t'es pas plus que la team, c'est tout. Mais son équipe qui est maintenant, on lui a dit tu es plus que la team, puis c'est tout. C'est juste ça là. Lui, il voulait être. Ce qui... Pourquoi il s'est battu C'est être plus que la team. Là où il est, il est plus que la team. Whatever, voilà, Ce qu'il veut faire, c'est lui. Comme il est super PD, les autres équipes sont comme non. T'es re... es, es Cristiano Ronaldo, mais es plus genre, t'es plus genre. Là, nah. gars, comme ça, là. So, maintenant, on peut te disrespect. Ok? Vas-y, dis, ton as, as, as coach national, t'a disrespect. Mm -hmm. là, comme tu peux plus parler à personne comme si tu étais, étais un god, là. Cette game-là, pour moi, même si a pas de defense. Mais tout le monde sait qu'on a d'autres joueurs encore. Ouais, mais ouais, bah, c'est ça le problème, c'est que, après tout, le disrespect, c'est le game-là, pour moi, c'est juste pour lui, c'est juste dire aux gens, I'm juste... still there. Voilà, ouais, t'es une... arrêté, on que le reste. T'as une game que les gars s'en foutent. Un friendly, là. Tu, vois, tu me dis un friendly, c'est comme. Euh, mais où qui va se battre regarde dans un quoi? friendly ils sont à listes là et a des friendlies là c'est des friendlies c'est pas un vrai game comme je me fous a deux, il faut qu'on il a pu faire quatre buts genre c'est style un friendly genre comme, euh, ça compte pas bro I don't know. moi je suis d'accord avec toi ça moi je pense que c'est un message à travers le monde c'est pour ça qu'ils avaient ça friendlies. oui c'est un friendly mais yeah. avec de l'ego derrière non, non il y buts, il light, il avait de l'ego il voulait faire des buts il voulait faire des buts j'ai checké les highlights, il y avait, avait, avait de l'ego il voulait faire des buts il y avait de l'ego avec mon ok donc tu penses que le 0 là le 0 des deux teams il ne va pas dire aux deux teams, yo, regarde, je ne veux pas que ça soit one-sided, puis je veux, comme, je veux voir des points, là. Juste un c bel ça, match à regarder. C'est même, même pas ça. Il y a juste devait se préparer aussi pour la, yo, pour la Ligue 1 pour revenir. Mais c'est un gars qui joue à, à FIFA, puis il y a les deux manettes chaque bord. Je, je comprends, mais. Les gars sont quand même là pour jouer. C'est ça tu sais que le Honneur a sais. dit ça, mais quand les gars sont sur le terrain, ils sont regardés dans le blanc des yeux, ils ont dit Je peux descendre. Okay, okay, okay. okay. La même game, on va dire, que cette teams-là se rendent en Champions League, ils jouent contre le PSG. Ce n'est pas la même chose qui va se passer, je vous garantis. Oui. Moi, après, ça va finir le même nombre 5-4. T'es fou, toi. 5, fou, ça 5-4. T'es euh, fou. Toi. Non Je pense que PSG fou. va les dominer. C est, c est en en, en Champions League. League, il doit jouer contre la yeah. même équipe. Yeah, okay. Ronal, je vais donner Ronaldo va scorer. Ronaldo, il oh, peut Parce qu'il peut still scorer. Voilà. Ce n'est pas comme s'il ne peut pas jouer. Il peut still scorer. Mais la team, le reste la team va se faire exploser. T'es fou, c'est juste les gars s'en foutaient. C'est juste d'avoir de même. Il y a des histoires dans son queue. Il y a arrête, du monde qui qu compte en okay, il bon, peut revenir. OK bon. <laughs> Je te le dis. voilà. Bon, Moi, j'espère que ça va arriver. Là, il y a les rumeurs qu'il va peut être aller jouer à Crystal uh, où c'est encore euh, Newcastle. Newcastle si ils font la Champions League. Yeah. Ah, parce euh, que c'est le même honneur aussi <laughs> qu'il y a Newcastle. Il fait un chouette contrat. <laughs> c'est oil, oil Merchant Money. Non, mais lui, mon il joue à FIFA comme Deep. Oh, ah, oui, des... lui, mais oui. Ah, lui, il, il honte euh, tout, tout, tout. Moi, je vous dis, je pense pas que c'était. Je sais que Ronaldo peut jouer dans la Ligue, mais je pense pas que la game était sérieuse. Like pour d'autres des... pour news soccer, ouais. euh, il y a eu un mid-table euh, bagarre entre Liverpool et Chelsea. Euh, game super plate, ça finit 0-0. Euh, les, deux, les, les deux sites... Yeah, toi, fort and Fort, euh, est-ce que fort tu, tu, euh, tu, tu, tu punts ou... Mais il reste deux minutes, t'es dans, dans leur zone. Ben, Après ouais. ça, Pogbidi peut faire un drive sous toi, là, si Mais tu là, vois. Là, c'est deuxième, deuxième, deux, deuxième quart, deux minutes. Ils ont, la défense des Cobots, ont prouvé qu'ils pouvaient... Push down. le man, puis tu fais, tu fais ça. Mm. Euh, Liverpool-Chelsea 0-0, c'est vraiment plate. La game que je voulais vous parler... Mm -hmm. C'est euh, Arsenal contre Man United. Manu. Euh, si Manu gagnait, il se rapprochait très dangereusement de Arsenal. Puis Arsenal a gagné à la toute fin, à la genre 87e minute. Euh, but de Enketia euh, Gabriel Jesus était blessé. Ça, so, c'est leur euh, deuxième striker qui joue. Puis ils jouent super bien. Ils ont gagné 3-2. Ça okay. yeah. Je sais plus, j'ai lâché euh, l'équipe. Ouais. Alan a marqué un hat-trick. <laughs> oh, non, mais ils sont ici. <laughs> non, mais... On m'avait dit qu'ils avaient déjà gagné la Ligue. <laughs> Maintenant, je vois qu'ils sont plus premiers. Te, 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 tu m'as fait te rappeler un bon point. <laughs> oh, man. Half, on est au half point de la saison. Ouais. On a joué la moitié des games. Ouais. Oh. Erling, Erling Alan a autant de buts que le top scorer de l'année passée, live. Ouais, mais pourquoi ils sont plus premiers? Pourquoi ils sont plus premiers? Ouais. Ils ont perdu des games qu'ils n'avaient devaient pas perdre. Ils ont perdu contre United, ils ont perdu. contre Arsenal. Ok, ils ont c'est Parce que moi, on m'a dit, c'était done, done deal. Ouais, ouais. Puis tout d'un coup, on me dit, c'est Arsenal qui vrai. Oh, c'est Tati, bah Oui, c'est Jenny. T'as l'air, t'as l'air. Thanks, thanks, thanks. Je suis encore fâché avec. Un Je suis encore fâché. Puis, UV, il y a eu un. Pas un scandale, mais il y a eu de la corruption encore avec UV. Puis, euh, on il... les savait en série. Non, oui. non, pas encore. C'est pas, pas, pas that deep. <laughs> ça, ça c'était du match. Match fixing. So, ils ah, il parlaient au referee puis aux joueurs. Eh? Oh, ça c'était deep. Ils ont redescendu. Wow. Là, c'était de la corruption. C'était pas de la corruption, c'était de la fraude avec les, les transferts. Okay. Je sais pas qu ce qu'ils faisaient avec l'argent. les, les Leurs leur finances matchaient pas. Mm -hmm. puis euh, Ils ont été déduits 15 points. Donc là, ils étaient deuxièmes. Oh shit! Ils ont été, 15 points! Ils ont été relégués à dixième. Ils, ils ont perdu 15 oh. points. Puis ils vont devoir payer une fraude ou une, une amende, oh. whatever. Ces 15 points-là vont à quelqu'un ou ils ont juste perdu 15 points? Non, disparus. ils ont juste perdu 15 points. OK. So, ça, les, ça les enlève du Champions League. Puis ça fait monter Rome dans les spots de Champions League. So, C'était les deux. C'était les deux. qu'est-ce qui était intéressant cette fin de semaine au soccer? All right, guys. Big talk. Il y a big talk aujourd'hui. Mm. That's it for today. Et like, share, subscribe. Merci encore pour euh, euh, de nous écouter. On aime ça. Et puis on se voit next week. Yes, sir.